J'ai reçu ma commande. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un haul Shein. Je vais vous montrer les petits habits que j'ai commandés il y a maintenant un moment. Et c'est parti, go into the video. On va commencer avec les premiers articles. Je vais essayer de tout vous mettre dans la barre d'infos avec les liens et tout. Comme ça, ce sera plus simple pour vous si vous voulez commander les habits dans un futur très proche. On va prendre le premier truc qui est mon article préféré. C'est ce pantalon noir. Il est large. Et c'est le pourquoi du comment je l'ai acheté. Vraiment, j'ai rien à dire sur ce pantalon. Il est trop bien, il est bien large. Les trous, par contre, ils sont énormes. Vraiment. Ils sont ultra gros. Donc forcément, je vais au lycée avec un collant en dessous. Comme ça, c'est bon. Il est un petit peu grand au niveau de la taille pour moi. Mon dernier haul que vous pouvez aller voir maintenant, je le mettrai dans le i. Les pantalons trop grands, je mettais un lacet autour. Et maintenant, je mets plus rien. Donc je le laisse comme ça parce qu'en fait la plupart du temps je mets des gros pulls dessus, donc il n'y a personne qui voit. J'avais ultra peur que ce pantalon m'aille pas quand j'ai fait la commande. Et au final il est parfait, donc trop contente. Prochain article, donc c'est ce sort de mini pull. Au début je me suis dit, ah toi là, tu vas être incessamment sous pull. Vraiment, il me le fallait. Je sais pas du tout ce qu'il y a écrit au milieu, je vais pas vous mentir. Quand je l'ai mis pour la première fois, je me suis dit peut-être que j'aurais dû prendre plus grand, tout ça. Mais en fait, non, c'est inutile. En fait, c'est pas si court que ça. Voilà, pas déçu du tout de celui-ci. Trop bégé, vraiment magnifique. Quand je l'ai commandé, j'avais déjà l'idée de tenue que je voulais porter, enfin avec lui. Et il y a eu une couille en fait. Parce que, et là j'introduis le prochain article. Horrible, genre ultra déçu de celui-ci. C'était un col roulé blanc. Donc je le reçois à la maison, je l'essaye et le truc c'était... Alors c'est un body hein, et il est inconfortable. Vraiment, j'ai... horrible en fait. Il est beaucoup trop serré, j'ai mis 5 minutes à l'enlever. Ils ont mis body moulant, mais je pensais pas que c'était aussi moulant que ça. Limite, ils voulaient mouler mes os tellement le truc il était serré. Impossible de l'envoyer. Je vais pas faire de démarche pour le retourner. C'est pas cool du tout. Article suivant, qui est un de mes articles préférés de cette commande Shein. C'est un jogging, mais qui a une particularité, mesdames et messieurs, c'est que c'est un jogging pas d'éléphant. Il tient ultra chaud. Je suis sur scooter, j'ai dû mettre un legging en dessous pour pas avoir froid sa mère. Mais vraiment il est trop bien, je sais pas comment dire, il est beaucoup trop bien. Il est assez élastique et ça c'est un truc, c'est vraiment super. Si confortable, je pourrais dormir dedans et tout, vraiment il est trop bien. Vraiment j'ai rien à dire sur ce jogging là. J'adore les détails, donc au bout en fait de la jambe, vous avez une sorte de coupure. Il est trop bien, trop confortable. Il est trop tout. Dans le positif, tu vois ce que je veux dire. Next article, là, ça va être un petit pull. Il y a écrit New York dessus, voilà. À la base, j'aime pas forcément les pulls où il y a écrit des noms de villes dessus. Sauf que comme je suis un énorme mouton, quand je vais sur Pinterest et que je cherche en gros mon style vestimentaire, je vois qu'il y a des jeunes filles qui mettent des pulls avec des noms de villes. Lui, il y a écrit New York, il y en avait d'autres avec les Florida, California, enfin tout ça, tout ça. Je suis quand même grave satisfaite de ce pull que j'ai déjà porté. Il est assez chaud, mais ultra doux à l'intérieur. Mais ça, c'est limite s'il est plus doux que moi. Et je suis quand même très douce en termes de beauté, pas de douceur de peau, parce que les boutons, tout ça, ici. Franchement, il est trop bien, tu peux faire des bêtes d'outfit avec ça. Tu mets un petit bandana blanc, là, ou de la même couleur, et t'es beau gosse de ouf. Next. Nous avons ensuite un col roulé noir. Parce que j'aurais dû prendre le blanc du même modèle. Pas du tout large comme je pensais qu'il allait être. Il est crop top. Du coup, il est plus court que je pensais qu'il allait être. Mais c'est pas dérangeant. Il est assez chaud. Il est pas du tout serré. Donc je l'ai pris à la bonne taille. Je l'ai pris à la
parfaite taille, vraiment. Ça m'arrive pile ici au niveau des mains. Le col roulé, tu peux le laisser ultra haut ici ou tu peux le plier. Et écoutez, je suis assez satisfaite de celui-ci aussi. Bon, le problème c'est que les poils de chat collent à ça, donc ça c'est un peu agaçant. Prochain article, j'ai commandé un ensemble de sport. Alors ça, j'avais trop envie d'en prendre un, parce que bon, j'ai toujours un peu les mêmes tenues tout le temps, et j'avais envie de changer en fait, j'avais envie de faire un nouveau truc. Au niveau des fesses, il a un truc assez spécial, il a ça là. Et bah ça moule de ouf, vraiment ça moule trop bien. Par contre quand je l'ai commandé je me suis dit waouh, ça va me faire des fesses de mamma mia, tu vois. Quand je l'ai mis j'étais en mode qui a pris mes fesses, genre elles sont passées où. Mais une fois lavées, ça moulait plus, je me suis dit ah j'ai retrouvé un peu mes fesses. Rien à dire, il est trop bien, j'adore la couleur. La brassière du coup qui vient avec, il y a un énorme truc dedans là pour faire grossir vos seins comme jamais. Elle est ultra confortable, elle est pas trop serrée parce que par exemple quand je fais du HIIT ou je fais du cardio, quand j'ai des brassières trop serrées au niveau de la cage thoracique, ça me donne envie de vomir. Elle pas du tout, elle est trop bien. Sinon ça là, je vous promets quand j'ai mis pour la première fois, je vais oula. Qui est pas saut, genre ma pilule a enfin fait de l'effet. Non du tout, mais vraiment cet ensemble je suis grave satisfaite. Un autre article, on a cette robe que j'ai mis au nouvel an. Elle est trop bien. J'ai plusieurs robes mais j'en ai aucune qui est moulante. Elle est en velours. Et vraiment j'étais grave satisfaite. Je me suis dit non ça va pas bien serrer et tout. Franchement grave satisfaite. Elle a un petit vous voyez le jogging, et ben elle a environ la même coupure vers la cuisse gauche. Elle est ultra agréable à porter, il n'y a aucun endroit qui gratte ou quoi. Elle est trop beau gosse et franchement j'adore. Le bleu en ce moment c'est ma couleur, je sais pas pourquoi j'adore ça. Donc j'ai pris ce beau bleu là. Genre j'adore cette robe, je l'ai déjà mise et elle est splendide. On va passer aux accessoires. Non pas du tout, il me reste un truc, attendez. On a cette doudoune mais sans manches. Ce truc là par contre si vous allez dehors et vous pensez que ça va vous tenir chaud, ouf, du tout. À part ça vraiment elle est grave bien. Alors dehors au niveau de derrière le cou vous avez une ouverture. C'est pas une poche, je pense que c'est pour le replier sur soi-même et ça vous fait une boule après. Elle est un peu courte, mais bon, dans les photos, je voyais que c'était une doudoune courte. Ah, je l'ai pas pris en S, il me semble que je l'ai pris en plus grand parce que je voulais vraiment que ça fasse un truc large, vous voyez. Bref, extrêmement satisfaite aussi. J'ai pris des photos que je vous mettrai ici avec cette l'outfit en gros que j'avais. Ensuite, on a des bandanas. Alors, les bandanas, par contre, pour 3€, j'ai eu tout ça. Les couleurs elles sont grave beau gosse. Le seul problème c'est que ils sont pas ultra élastiques vous voyez et c'est pas de très bonne qualité, je vais pas vous le cacher. J'ai un trou qui est en train de se former. Mais bon ça fait l'affaire. C'est pas comme si je les portais tous les jours, ça fait grave l'affaire. Je les ai portés cette semaine aussi, je vous mettrai des photos que j'ai mis parce que voilà cette semaine j'ai sorti les outfits pour de vrai. Je trouve ça vraiment trop beau gosse. Genre j'en porte jamais et là j'ai essayé et je suis grave satisfaite. Prochain article, alors j'ai commandé des bonnets. Ça, par contre j'ai un amour incontestable pour les bonnets. Juste des tout simples noirs et blancs. La qualité super, ils tiennent chaud. Il me semble que c'est des tailles uniques, c'est la taille elle est parfaite. Franchement le bonnet quand vous pouvez être mal habillé, vous allez mettre un bonnet, ça va sublimer votre tenue. J'adore. Le dernier article, alors si je le retrouve, alors là je ne le retrouve pas. Ah, mais j'ai sur mon doigt, je suis vraiment imbécile. C'est une bague. Alors c'est une bague assez large en argent. Alors j'ai que des bagues, vous voyez, en couleur or. Et je voulais tester des bagues en argent parce que je trouve ça grave beau aussi. Et puis quand je m'habille en noir, je préfère mettre des couleurs argent. Assez confortable. Écoutez mes amis, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon je vous dis bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.